les démocrates, à partir donc de ces élections législatives, sont en position, par le biais donc du chef de file de l'opposition, d'entrer dans leur droit, à savoir bénéficier d'abord des avantages liés à ce statut-là. Et pourquoi, du côté de la mouvance, on a un pouvoir exécutif, donc un chef de l'État et des ministres qui ont leur cabinet, les DC, etc., qui ont des avantages reconnus comme tels. Et en démocratie, les textes ont prévu également que l'opposition ait aussi des avantages. Ce n'est pas forcément dans les mêmes proportions. Mais pourquoi? C'est pour faire en sorte que l'opposition ait des chances de proposer aussi des alternatives en période électorale, puisque ce qui est visé au-delà de tout, c'est l'intérêt supérieur des citoyens.